Allô, tout le monde, comment nous y est? En tout cas, on a dit encore une fois, si vous pouvez subscribe, partager vidéo et puis like vidéo, on connaît nous aimer en pile, j'ai un pile feedback, merci monsieur. Et peut-être compliments, alors il pas bon moi sur YouTube, mais le texte moi directement, alors pour quelques amis au bon, les femmes connaissent que les amis ont dit que vous très apprécié vidéo, moi aimer ça. En tout cas, monsieur, je dis à nous venir parler avec Zamim et monsieur te dit au lieu pour m'a fait comparaison 3 charge contrôleur qui m'était proposé dernièrement, charge contrôleur là alors, j'ai acheté. Monsieur dit mieux vaut me commencer par un basic, m'a salué puis artiste tu vois ça. Puis artiste records très prochainement m'a présenté nous monsieur. Vous comprenez? Et puis dit pour me mettre en vidéo bas niveau net pour tout le monde qui comprendre tout ABC sur le panel parce que moi je me fait avec intention juste pour me banon. Toute comparaison qui va pour nous acheter plus bon marché, mais je me dis pour qui ça me va pas qui va basic. Donc, je dis à nous venir à basic là. Ok? M'utiliser mot en anglais parce que généralement on a besoin de tout terme en anglais. Et ça fait, faut essayer de familiariser nous avec. Très important. Ok. On a parti de zéro, monsieur. De zéro. Pour nous dire tout le monde, je connais en Haïti, il y a un pile monde, rien pas dit, rien, mais des fois, ils font des bagailles qui sont pas bon pour eux, qui sont pas bon pour poche. Par exemple, il y a un monde que je connais qui achète un panneau soleil, et puis il juste prend un panneau soleil là, connecté directement sur la batterie. Ça, c'est écraser la batterie ou bien écraser le panneau soleil. Parce que le panneau soleil, il y a un bord dans le dos, une petite plaquette qui est dans le dos, il y a des diodes là-dedans. Si dans le four, ils sont gros, et batterie, et puis des fois, soleil là, ça qu'on arrive. Soleil là, panneau soleil, des fois, yo act out. Quand yo ba on série de petits problèmes, sans que moun pa kon pa ka expliquer vraiment. Ou bon, de kon rete soleil là, juste fait, attention, monte un seul coup. Ou bon, pour la sou batterie, yo. Le kon sa, 6 voltage, 24 volts, l'état soi-disant ba la, malgré 24 volts là, kon nan 36 volts, généralement, et ça fait le pas prudent du tout pour moun connecté. N'importe qui panneau soleil, même là, son petit panneau soleil, 100 watts, pas connecter directement sous batterie. Danger, danger, danger. Son non, non. Ok, même là, nous faisons nous charger batterie. Il pas bon pour batterie. Craser batterie ou bien le cas. Sauter panneau soleil. Fait nous dépenser l'argent pour grand merci. Gaspiller l'argent. Non, j'ai ça. Ok. Principe là. Principe de base. Vous gagnez panneau soleil. Vous gagnez charge contrôleur. Vous gagnez batterie. Vous gagnez inverter. Mais travail là. Charge contrôleur. Amen. Panneau soleil. Prend rayon soleil yo les convertir en courant DC que nous allons faire tirer les mains venir sur ça tout à l'heure courant DC a joindre charge contrôleur yo charge contrôleur a réguler tension a. Parce que l'on dit courant généralement c'est ampérage mais tension on dit ça va être tension il va 24 volts yo 10 soi-disant mais c'est on va en 36 ou bien 38 volts suivant qui pas nous acheter a. Gagne un petit qui baille 12 qui bon pour 12 vols mais il baille 17 point combien vols c'est-à-dire faut que toujours on charge contrôleur pour baisser pour réguler tension réguler voltage là OK donc charge panneau solaire produit il prend un rayon soleil il change le sous forme énergie électrique charge contrôleur prend énergie électrique qui pas trop stable. Les baisser le voltage que vous avez besoin, on va parler sur ça tout à l'heure. Et puis, inverter qu'on y a connecté sous batterie pour faire carré ou marché. Ok, mais système là, panneau soleil, charge contrôleur, batterie, inverter. Ok, c'est de quatre bases, on va parler aujourd'hui là. Donc, non pas c'est original et que toujours encourager nous, abonnez-nous sur channel là, like vidéo que vous connaissez nous aimer. Et puis, pas oublier d'inviter l'autre ami, non? Le nom like vidéo sélectionné, qui marque tout, dans la cloche là. Ça marque tout. Ok, Deux monsieur? types de Pas oublier. courant. Nous avons courant alternatif et puis nous avons courant continu. Courant continu, c'est les mêmes objets dans toute batterie. DC. DC, c'est les mêmes toute batterie. Qui c'est batterie téléphone, qui c'est batterie, batterie flash, tu comprends? Batterie qui est dans la machine électrique, toutes ces DC, yo, yé. Donc, différence entre DC et AC. AC, alors nous avons énergie éolienne produit AC, par exemple, bail qui vire avec vent, c'est AC au produit, et puis avec générateur produit AC. Différence AC avec DC, AC permet de transporter le plus loin, son plus longue distance.
DC lui-même permet de stocker l'énergie. Ça, c'est une véritable différence. Mais, il change facilement. Il n'y a pas un gros problème. DC permet de stocker l'énergie ou de serrer pour n'importe 2, 3, 4, 30 jours, 20 mois. AC lui-même, son énergie qu'a utilisé dans le moment présent. Mais, il permet de voyer aller bien loin à l'aide de fil. Soit vous utilisez fil pour DC, fil là a permet a fin consommer toute énergie, soit utiliser pour longue distance. OK? Songez ça. Donc DC permet de stocker puis AC permet de voyer aller loin sur longue distance à l'aide de fil. Vous comprenez? AC a plus transportable, plus qu'à transporter dans ça. Alors que DC a permet de stocker mais ou pas qu'à voyer aller sur longue distance parce que fil là a consommer dans énergie grand pile perte. Donc des fois soit pour un DC par exemple, on dit j'en ouais nous gain courant sur Pélic pour arriver qui alimenter en partie dans Port-au-Prince. Sous ta prend courant DC, c'est sûr que n'a pas rien de vol. Les courants arrivent à Port-au-Prince. Donc alors que pour DC pour quantité alors size fil, gros fil ou tu as besoin, tu as un gros fil, son paquet dépenses ta bien d'ailleurs. Bon. C'est-à-dire en gros c'est ça. Courant généralement pour monde qu'on a utilisé multitesteur, courant ACA son courant, les gains positifs, les gains négatifs, mais son bagage qui est négligeable. Alors que courant DC, les gains positifs, les gains négatifs, mais les importants. Soit faire un ou inverser bonio, inverser polarité ou ca limédifier ou ca sauter appareil, faire gros dégâts. Ou ca bouler caille. Parce que batterie c'est bagarre pour pas quitter côté de si mon a joué, pour pas quitter côté mon a fait n'importe négligence parce que si yo la gè ba métal sou yo, il ca allumer du feu facilement. OK, très important. Le non entrer dans barrière, il faut nous connait danger et tout. Yo ba nous énergie certe, yo permettre nous cap utiliser toute barrière la caille nous, permettre nous cap garder match nous tout genre de barrière yo, mais son danger les sous mal utiliser. Pas mettre yo côté qui gè en pile bagarre métal, barrière métal ca tomber sou yo, pas mettre yo côté de si mon a joué côté de l'eau a tomber. Très important. OK monsieur. Donc, on fait un petit rappel électricité rapidement. Nous avons courant AC, alternative current, et puis avec courant DC, direct current. C'est deux types d'énergie que nous avons utilisé. Donc, AC, moi je dis, il y a un positif, il y a un négatif, mais il est négligeable. C'est-à-dire AC, d'ailleurs, je vais parler de sinusoïdal pour inverter pure sine wave. Je ne pas trop bon dans le dessin, monsieur, je excusez-moi. Donc ça c'est représentation AC. OK. Alternative current. Donc, si n'a du online, si n'a personne en ligne là comme ça. OK. Tout ça nous est en léo, c'est positif, tout ça nous est en bio, c'est négatif si n'a met en ligne, open. C'est-à-dire ACA alternative current là, il y a à la fois positif et négatif là-dedans. Mais son bail qui fait rapide 60 fois à la seconde, on va à peu près comme ça. Donc, l'inégligeable, les vins pas, ou pas besoin de l'importance vraiment. Il y a quelques bagages qui considèrent lui, des fois qu'on est dans tête plogueux, mettez une pilage que l'autre. Donc, pilage, c'est l'identifié négatif là. Vous comprenez? Mais quand même, il pas sauter à pareil ou comme ça vraiment. Vous comprenez? Sinon, qu'il y a un éclair ou bien un bagage qui compte faire des fois le dégât. Et ça fait des fois, nous avons ground. Ground est important, pile monsieur. Trois fils là important. Installation à trois fils là important parce que ground là, c'est les empêcher variation courant, les gonds éclair, les gonds de bagarre. Li aider dans sens ça, OK? Ça c'est représentation AC et puis DC à lui-même dans multitesteur nous ca remarquer que des fois il monte en ligne tout droit pop pop pop. Ça me fait ça parce que on monte en ligne droite, il monte en ligne et puis en bas il y a un pile petite trace comme ça. Donc ça c'est pour DC. DC c'est batterie qui fournit, OK? C'est courant ça que batterie fournit et puis AC lui-même et panneau soleil produit DC. Mais DC là pas un DC qui est trop stable, c'est pour ça nous toujours besoin de charge contrôlé. Très important. Donc, OK, rapidement, DC il y a polarité, il y a plus. OK. Il y a moins. Et puis AC lui-même, il y a plus avec moins tout, mais son bagaille nous ca négliger. OK? Donc c'est ça. En gros c'est ça. C'est tirer personne à faire et puis AC comme moi dit nous permet nous mener courant aller loin sur longue distance et puis DC lui-même lui permet nous ca stocker courant. Donc c'est ça. OK? Bon.
Ok. Mais de qui ça nous va parler? On te présente déjà. Nous va parler de connexion. C'est-à-dire, là, nous connecter batterie, nous allons connecter soit en série, soit en parallèle. Ok. En série, vous voulez dire qui ça? En série, vous voulez dire une à la suite de l'autre. C'est-à-dire, on prend positif ça, mettez en négatif ça, positif ça, négatif ça. Vous comprenez? Et ainsi de suite. Positif ça, négatif ça. Là, ça y est en série. Mais là, en parallèle, lui-même, on va lier positif yo entre yo et puis négatif yo entre yo. Vous comprenez? C'est un schéma comme ça la pièce. C'est ça que les parallèles. Donc, qui a avantage? Avantage là, le yo en série, voltage a augmenté, intensité a. Intensité a qui ça lié lui-même? Intensité a, c'est les capacités batterie a pour le cap kembe énergie a dans un nombre de temps donné. Bon, m'expliquer. Si vous prenez une batterie par exemple, qui 12 volts, 70 ampères, que généralement il y a quelques machines qui utilisent. Avec une batterie qui même 12 volts là, mais qui 205 ampères heure, pour me préciser, ampères heure. Là, on dit ampères heure, c'est-à-dire c'est ampères pendant une heure, ok? Donc là, j'ai une batterie qui 205 ampères heure, pour qu'on ait une différence vraiment, on prend 205 multiplié par 12, donc on fait ce calcul ça rapidement, on va 2460 watt-hour. C'est-à-dire, si vous avez qui utilise 12 volts et puis qui 2400 watts, la fait une heure de temps à marcher sous deux batteries, qui mette 6 volts, 205 ampères. Okay? Donc, c'est différent sans ça. On a parlé plus sur lui et ça fait toujours garder vidéo, très important pour nous apprendre tout détail net, pour nous apprendre tout bagaille. Bon, mettre les batteries en série, vous voulez dire que nous mettons une à la suite de l'autre, positif ça, à négatif ça. Positif ça, négatif ça, positif ça, négatif ça, et puis deux sacrés de yo, n'a bien un négatif, un positif. Nous allons parler sur ça tout à l'heure, nous allons faire connexion ensemble. Ok, avantage de connecter en série, ou gagner voltage à augmenter, intensité à rythme même, et puis l'on mette en parallèle, intensité à augmenter, voltage à arrêter même. C'est différent sans ça, ok, en série parallèle. C'est-à-dire, yon se contre l'autre. Point très important pour nous songer, nous mettez en série ou bien en parallèle deux bagailles qui identiques. C'est deux mêmes bagailles vous voyez. Si n'a pas utilisé panneau là, gien panneau solaire monocristalline, gien polycristalline, n'a pas utilisé deux mêmes panneaux solaires monocristallines. Deux mêmes batteries 6 volts ou bien deux mêmes batteries 12 volts ou bien quelque soit ça là, mais n'a pas utilisé deux mêmes identiques quand vous vrai jumeau vous voyez, OK? Pas mélanger un polycristalline qui généralement bon couleur antigène bleu avec un monocristalline qui généralement bon couleur plus noir et puis qui gagne une série de signes losanges qui séparent chaque petit cellule de la batterie. Une série de losanges. Bon, comme dit encore une fois, pas trop bon à dessin, hein. On est comme ça que les losanges plus ou moins. Une série de barres comme ça qui séparent chaque petit cellule, on prend chaque petit cadran yo dans monocristalline. Pour les cristallines, non, juste ouais, ils ont couleur antigen bleu, mais les plus grands piles de traces descendent sur lui. Mais monocristalline, des fois, ils paraissent antigen carré, suivant j'en parle. Mais ils sont noirs, monocristalline noir, pour les cristallines bleu. Plus ou moins, ok? Bon. Ok. Donc, songez pour nous mettre deux mêmes bagailles en série ou bien en parallèle. Les connectés bagailles entre eux, faut eux mêmes, faut eux identiques. Très important, ok? Pour charge contrôleur, oui, à l'avenir, on a venu pour nous montrer comment nous mettre en parallèle, mais il n'est pas obligé identique pour charge contrôleur seulement. Ok? Ok. Si nous partons, on partit dans la base. On dit qu'on fait une connexion 24 volts. On va mettre 24 là. Par exemple, nous servons à gros panneaux. Généralement, panneau PPT, qui peut être des dimensions. Dimension ça, 39 x 77 inches. Bon, je viens avec dimension, avec toute spécification dans l'autre vidéo. Mais là, je dis par exemple, on parle de 12 volts. Il n'y a pas de 12 volts là, oui. Très important pour nous connaître. Là, je dis on parle de 24 volts. Il n'y a pas de 24 volts là seulement, vrai. Il faut nous connaître ça, c'est important. Gros panneau, ça qui est 300, 315, 310, 340, 370 watts. Panneau, ça généralement, yo fait pour installation généralement ou ka fait on l'autre usage avec ou ka mettre le sous 12 volts, mais généralement il fait pour installation 24 volts.
sous besoin d'utiliser panneaux qui pour 12 volts spécifiquement, c'est panneaux qui 100 watts, 150 watts, genre de panneaux ça qui fait pour 12 volts. Comprenez bien, m'pa di nou pa ka utilize l, nou ka toujours utilize l à partir de charge contrôleur parce que charge contrôleur c'est job li. Pour le prendre voltage que panneau bay là et puis pour le mettre dans voltage nous même nos besoins que nous pour dire mais comment pour le faire. De ce fait, panneau c'est dernier bagage pour connecter dans charge contrôleur. Premier bagage pour faire, faut dire charge contrôleur moins gagné tant voltage ça m'a besoin pour réguler pour moi. Et puis il dit, oh ok, c'est 12 volts ou bien, oh c'est 24 volts ou bien, oh c'est 36 volts, oh c'est 48, et bien ok, ma baoule dans j'envole là. Donc, en gros c'est ça. C'est-à-dire, premier bagage pour nous connecter, nous allons connecter batterie entre eux, nous allons faire ça à là, et puis nous allons connecter batterie à charge contrôleur, et puis après ça, nous allons voir courant solaire là-bas. Et puis nous allons parler plus sur ça, et puis inverter à lui-même pour aller joindre batterie. Ok, mais comment connexion fait? Batterie connectée à charge contrôleur, donc section batterie à l'imakel, et puis panneau connecté avec charge contrôleur dans section PVA photovoltaïque pour pas ok pour panneau solaire, et puis l'autre là nous pas suggérer personne utiliser l'autre là parce que ça c'est juste un petit pour le monter qu'à mettre, pas suggérer personne utiliser l'autre là, même les sont 12 volts là bas ou bien combien a besoin la pécril dans charge contrôleur. Nous cap utiliser yon fuse block instead. Mon ba écrit le fuse block, m'a pou présenter dans l'autre vidéo qui ba nous on série de connexion qui tout protéger, qui tout gon paquet fuse sou yo. Par exemple, sou besoin utiliser 12 volts, 6 volts ba ou gen servi avec yo, ou ka achete un fuse block et puis la bo tout sorti yo et puis chaque a gen fuse pa yo pour protéger non. Et puis sorti fuse block ça la fait directement connexion fait directement dans batterie. OK? Donc, ça qui important pour nous connait tout bagay sa yo gagner fuse qui connecte yo avec batterie ou bien entre yo. Très important, faut nous toujours mettre un fuse parce que fuse a ça qui wall li permet nous protéger l'argent nous sommes dépenser. Li protéger l'argent pour pas jeter. Si nous pas gagne fuse, nous ca perdre l'argent nous sommes dépenser en fraction de seconde. OK? Bon. N'a pas fini. OK, n'a connecté batterie entre yo. Nous dit chaque batterie ça aussi vol. Il n'est pas obligé ça le 12 volts et 24 volts, mais puisque il y a un paquet de variété, nous je choisis une pour nous capable exemple. Mais sous une installation 24 volts pour faire ou bien une installation 12 volts pour faire ou une installation 48 volts, 36 volts, ou cap toujours utiliser batterie yo dans même j'en va l'expliquer là. Alors monsieur était tout mon a toujours un multitesteur pour faire ça et pour bon tourne vis étoile, tourne vis plate, et puis dans prochaine vidéo qui va venir on va montrer nous tout connecteur on a besoin pour nous connecter panneau entre yo parce qu'il y a un connecteur qui tout bas ou connexion parallèle là bien facile, on a présenté ça dans l'autre vidéo, et puis on a besoin connecteur pour capable tâcher dans batterie yo qui bien ferme qui pas peut lâcher, et puis avec toute cramp on a besoin tool cramping tool yo. Parce que bah ça est important. Vous comprenez? Bah ça est important parce que système solaire mandé en pile intensité parce qu'il a déjà chargé batterie genre de bah zéro. De ce fait, faut nous gagner des bagages qui vraiment appropriés. L'homme dit des bagages qui appropriés, faut nous gagner outils nous qui fait pour ça. Vous comprenez? Cramping tool yo qui peser bah yo pour clamser yo, faut nous gagner un minimum. M'a présenté nous dans l'autre vidéo. Bon. On est parti pour nous finir rapidement parce que je dis assez basic, n'a pas toute base. Nous gagnons 4 batteries de 6 volts et puis nous gagnons panneau nous allons faire une installation 24 volts. Charge contrôleur heureusement nous acheté les affaires. Nous suggérons tout le monde acheter charge contrôleur MPPT. MPPT. OK? Qui est différent, on va faire cette différence rapidement pour nous. Qui est différent de PWM. OK. C'est deux types charge contrôleur ça qui gagne. On va continuer à venir dans l'autre à l'avenir mais jusqu'à présent c'est deux types ça nous gagne. Alors gain charge contrôleur qui plus sophistiqué que l'autre, qui plus précis que l'autre, qui plus comme d'accord du qui supporte chaleur que l'autre. N'a parlé ça sur l'autre vidéo tout. Parce que gain charge contrôleur généralement nous ca aller pour charge contrôleur qui gagne hit 5 ans tout col fait en métal et pour qu'ajoute et d'accord du convertisseur bagage cap fait cap ou du moins bridge cap charger batterie
tâcher directement sur métal là et puis la dissiper chaleur, pas sauter. Vous comprenez, n'est pas sauter facilement. Donc, on a parlé sur ça dans l'autre vidéo. Bon. Si on fait comparaison ça, hein? Excusez-moi encore une fois pour écriture parce que on écrit mais j'aime qu'un tableau là avec qui différent de qu'on fait dessin, bah on est qui trois fois dans dessin mais on écrit M P P bon gars ouais et puis T MPPT. Ça c'est deux types charge contrôleur ou bien sinon les régulateurs, j'en aurais les. OK, MPPT et avec PWM, c'est deux types charge contrôleur ou bien régulateur suivant j'en utilise même si c'est terme anglais yo, alors parce que généralement n'a besoin écrit en anglais généralement. Donc quand j'en écrit en chinois, quand j'en écrit n'importe l'autre langue mais généralement ça n'a besoin plus facile pour acheter c'est comme ça. Bon. Charge contrôleur, il y a un positif, il y a un négatif ni pour connexion avec batterie, ni pour connexion avec panneau solaire yo. L'autre là encore une fois, nous pas besoin d'utiliser ça. Si nous avons besoin d'utiliser 12 volts ou bien 6 volts, l'autre appareil nous qui servir avec eux. Donc action fuse black que cap bien fuse dedans que nous mettez directement dans batterie. Bon. Comparaison. PWM, PWM plus facile pour acheter pour monde qui pas gain trop cob, il vend plus bon marché. Exemple, au cas j'ai on charge contrôleur PWM 20 ampères par exemple, 20 ampères pour peut-être 17 dollars. Vous comprenez? Alors que, soit besoin MPPT 20 ampères, les câbles couteaux environ 60 dollars, 70 dollars minimum. Ça n'est pas trop une qualité. Une grosse différence dans le prix. L'autre différence qui gagne, je suggère tout le monde utiliser MPPT. MPPT lui-même lui aide. Par exemple, PWM, ça le fait soit son PWM 24 volts ou bien qui gagne plusieurs voltages. Et puis qui 20 ampères par exemple. On prend 20 ampères par exemple. Ok, là, juste prend. Et puis, panneau solaire, il faut fournir 20. Alors, il y a fourni un minimum, là, dit. S'il vous plaît, toujours lire spécification appareil avant d'acheter parce que c'est important. Ça rien à dire, ou ben moins un minimum de par exemple les 20 ampères mais dit ou ben moins un minimum de 12 ampères, ça c'est surtout 12 ampères ou bien dit 17 ampères et puis les même la cap 20 ampères à la sortie alors que ça lui-même il pas aider au dans sens ça, il juste ça le prend c'est l'île baou. Mais il juste réguler le baou, il pas quitter courant monter descendre trop, vous comprenez? Les calibrer pour 20 ampères, il fait pour 20 ampères, ça il a fourni le 20 ampères là au bas l'île et puis il prend 20 ampères là le voyer charger batterie pour li empêcher le monter descendre, li pas faire par exemple 36 volts ou bien 38 volts là, li pas quitter pour gâter batterie. Par contre, le non a MPPT lui-même. MPPT a nous prenons MPPT 20 ampères ou 30 ampères. Ça a rien comme différence si ça fournit par exemple s'ils sont 20 ampères, ça fournit par exemple 17 ampères, ça me dit là on prend 17 ampères là, il régule voltage à pour et puis le bas 17 ampères là. Mais par contre, ça lui-même, sous ballon 17 ampères dans le panneau, un exemple. Il prend 17 ampères là et puis le bas en 19 ou bien 20 ampères. Il prend excès voltage là, qui c'est par exemple 38 ou bien 36 volts, et puis il convertit en ampérage. Et ça que charge batterie, c'est ampérage. De ton yon plus ampérage qu'à la jeune batterie, la paix chargé plus vite. Donc nous avons l'autre vidéo, nous allons faire ça côté n'a wattmeter, nous allons mettre sous sortie quand jeune batterie, nous allons mettre un wattmeter pour nous voir quantité wattage, là nous allons faire comparaison plusieurs charge contrôleur pour nous voir quantité wattage qui pour joindre et là nous allons vérifier un ampmeter, tout nous allons mettre un ampmeter pour joindre quantité ampérage, tout ça est possible. Donc maintenant faire avec wattmeter et puis nous avons différence. Différence P égale à UI. Puissance égale à volt multiplié par ampérage. Ok, c'est les même loi physique de base. Donc, c'est différent ça. Ça a plus bon, plus avantageux. La cap prend excès voltage à l'échanger en ampérage. Alors que ça, lui-même, ça a le jeune dans les là-bas. Ok, donc je suggère tout le monde prend MPPT, charge contrôleur. Mais si vous n'avez pas l'argent, oui, vous pouvez servir à ça, la charge batterie. Tout. Ok, aussi simple que ça. Donc, c'est un petit rappel. Nous dit que nous avons utilisé MPPT, charge contrôleur en bas là.
Et puis pour nous charger batterie, on a fait connexion rapidement. OK? Premier bagage en premier, first thing first. On a mis les batteries parce que chaque grain de batterie c'est 6 volts. Nous besoin 24 volts. OK? Ça supporte tous les trois ça yo, mais nous même n'a font connexion 24 volts, OK? Nous t'ai qu'à faire à plus oui, mais nous choisi 24 volts, OK? Parce que alors inverter nous faut les 24 volts. À préciser, très important, hein. 24 volts. Parce que pas penser que on va le faire pas penser que on va le faire connexion hein, et pour utiliser un petit inverter ou jeune 12 volts, non, il pas marcher, il a sauté inverter là-haut. OK? Faut inverter à 24 volts. Nous te mettez 3000 watts là, c'est parce que nous disons soit utiliser la caillou pour tout bagaille fonctionner, frigidaire, ventilateur, faire repasser, ou pas bien 4 batteries seulement, là besoin plus batterie. Mais nous juste pour un exemple, si vous besoin la caillou, c'est 3000 watts pour ta mettre pour pipiti, ça sont suggestions, OK? Mais suivant mon cap fait installation, suivant mon cap utiliser, ou on a un inverter 1000 watts ou utiliser la caillou. Alors sinon que on n'a pas qu'à mettre l'autre bagaille frigidaire parce que frigidaire généralement le pour y lancer, il y a tiré environ 1000 watts. Et puis, vous pouvez consommer entre 400 et 600 watts. Mais si vous mettez à la caille, généralement, nous mettons 3000 watts pour PPT. Si vous utilisez tout le à la caille, vous voulez dire. OK? Utilisons 3000 watts pour PPT. Mais il va servir à 4 batteries seulement. Nous prenons 4 batteries juste pour ne pas faire confusion parce que nous n'avons pas trop de ma batterie là. Mais si vous utilisez 3000 watts, c'est suivant que vous avez même tap suggérer tout le monde au moins 8 batteries 6 vols. Que nous avons acheté, même si nous avons une batterie 12 volts, la batterie 12 volts est vendue plus cher, mais si nous avons utilisé 3000 watts, c'est-à-dire nous servi à toute la caille, il faut au moins d'avoir 6 dans la batterie 12 volts. Donc, ça, c'est une suggestion pas à partir de l'expérience, parce que nous faisons plusieurs expériences dans ce terme solaire, installation et panneaux solaires. Donc, moi, le résultat. Et, encore une fois, monsieur, nous avons utilisé LED acide batterie, c'est très important à préciser. LED acide batterie que nous jouons acheter en Haïti presque tout côté. Gen gel tout, oui, et, mais je ne sais pas quoi yo ko paraît à lithium batterie trop en Haïti. Pas que je connais en tout cas. Bon, le nap servi avec LED acide batterie qui fait pour inverter, gen de barisa yo. Faut nous servir à maximum 50% capacité batterie. Maximum. Je vais faire l'autre vidéo pour montrer dans plus de détails. Mais si batterie a par exemple si batterie yo ka fè ou un laptop de 100 watts marcher par exemple pendant 24 heures on exemple capacité batterie a fait batterie fait laptop ou marcher pendant 24 heures de temps avant le décharge complètement ou gain pour utiliser laptop ça pendant 12 heures et puis après ça ou un jour pour recharger donc c'est ça me voulait dire pas utiliser moitié capacité yo. Parce que si ou ap utilise batterie yo pi loin que moitié capacité, ou ap dégrade cellule yo, ou krasé batterie yo pi vite, ap fini bien rapide. OK? C'est ça pour nous connaître. Parce que généralement, nous utilisons batterie en Haïti, moi-même, dès qu'on fait le tout, pas avant que je vienne apprendre, vous comprenez? Nous te qu'on utilise batterie en Haïti jusqu'à ce que nous déchargeons. Yo bay courant, nous utilise batterie, on charge yo full charge, et puis demain, la journée, nous utilise courant net, broup, inverter éteint, ou tout bas, yo n'apten courant. Ou bien nous tenions presque 10 charges, nous faisons commencer à crier, et puis là, ça, nous déconnecter quelques bagages, nous quitter pour nous mettre en poule seulement. Ce n'est pas bon. Ou utiliser batterie avec maximum 50% capacité. Maximum. Si c'était batterie, nous avons parlé de lithium tout à l'heure. Si c'était batterie lithium, nous avons gagné que nous utilisions dans la machine électrique. Et je ne vais pas citer non, mais la machine électrique couramment servie à lithium. Donc, batterie ça yo, ou ka décharger jusqu'à 90%. Ouais, différence là. Et puis, yo vend extrêmement cher, oui, mais yo gen avantage sur batterie ça yo. Batterie ça yo, cycle de recharge et de décharge, yo gen droit environ 1000 fois ou décharger, OK? Alors que l'autre lithium batterie yo, cycle de recharge yo gen droit 3 et 5000. OK, cycle de recharge et de décharge. Donc, c'est différent ça, c'est-à-dire non seulement on peut décharger au plus loin, on peut utiliser jusqu'à 90% capacité yo, et en plus de ça, il y a vivre plus longtemps parce que on peut recharger plus fois que LED acide batterie. Mais généralement, c'est LED acide batterie nous joignent. Nous prenons exemple ça, c'est LED acide batterie. OK. On fait mes parenthèses là. On fait connexion rapidement.
Nous prenons, nous besoin 24 volts pour charge contrôleur parce que nous avons l'option 12 volts, 24 volts, 36 volts. Maintenant, fait système non sur 24 volts. Donc, chaque grain de batterie, ça c'est 6 volts. Comme nous avons remarqué, il est identique, même batterie. Pour nous mettre 24 volts, nous prenons positif avec négatif. Ok? On dit, pour nous faire le plus simple, pour nous comprendre, nous prenons deux batteries, nous ne pouvons pas faire banque comme ça, parce que si nous faisons comme ça, nous allons croiser l'antigène différemment. Nous allons faire comme ça, nous prenons positif ça, nous mettons la négatif ça, ça sont positifs, ça sont négatifs, nous allons comporter le une seule batterie de 12 volts, parce que 6 volts plus 12 volts. Je me dis, nous ajoutons en série, voltage a augmenté, intensité arrête même. S'il était 250A, 250A l'a toujours été, mais il a 12 volts. Et puis nous faisons de même pour ça. Plus positif mélangé à négatif avec câble, je vais montrer comment vous faites câble dans l'autre vidéo. Libano, même bagarre là, 12 volts, 250A. Il vient comporter le concours deux batteries de 12 volts. Nous avons besoin d'une grande batterie de 24 volts. C'est comme ça qu'on a fait connexion. Et puis, nous prenons négatif avec positif. L'autre batterie, son j'aime dire, ça c'est un série. Nous prenons positif mélangé à négatif. Ok, nous comprenons le schéma, plus ou moins. Quand on a vu un négatif qui était bon ici, et puis un positif qui paraît bon là. Donc c'est ça, yo, nous avons 24 volts et nous testons. Les outils de base pour nous gagner, nous avons fait installation panneau solaire. Il faut nous avoir un multitesteur de base. Il faut nous gagner une tournevis plate, une tournevis étoile. Ça, c'est base. Et puis nous avons une pince coupante. Et puis après, nous allons montrer. Nous avons une vidéo pour faire pour l'autre outil. Jack Cab n'a besoin avec outils. Donc, ok. Donc, je suppose que nous comprenons le schéma très bien. Les pas chinois, nous faisons étape par étape. Nous devons mettre deux saillots pour continuer d'abord. Deux saillots pour continuer. Nous devons gagner deux batteries de 12 volts. Quand nous avons besoin de faire 24 volts, nous prenons dans chaque grain de batterie, nous prenons un positif mélangé à l'autre négatif. Et puis, quand nous avons besoin de deux sacrés qui ne sont pas connectés, positif là. Avec négatif là, nous testons 24 volts. Ok? Donc, c'est ce premier bagage pour nous faire. Nous faisons ajouter la batterie en série. Si nous mettons en parallèle, nous avons juste pris positif avec positif, négatif avec négatif. Négatif, négatif, positif, positif. Et puis après, nous avons mis pour comporter quand on seul et on seul batterie. Nous avons fait deux positifs ensemble. Et puis deux négatifs viennent ensemble. C'est même bagarre, l'étape bien, mais là nous avons besoin d'une connexion en série pour nous cacher 24 volts. Dans l'autre vidéo, m'a montré si nous avons fait en parallèle, mais chaque avantage, chaque inconvénient. En parallèle, on a plus d'intensité, mais si le fait sous 12 volts, on n'a pas besoin d'utiliser plus gros fil, plus gros câble pour transporter courant. Vous comprenez? Et c'est ça qui est désavantage. Bon, oui. Là, nous avons gagné 24 volts batterie. Nous avons comporté une seule batterie qui a de 24 volts. Nous pouvons aller dans la charge contrôleur pour marquer la batterie. Là, bien signe la batterie quand même. Là, bien positif, négatif. Et puis, nous juste mener négatif, non. Oup, dans négatif. Pas inversé. Parce que, comme dit, nous courant DC, polarité est important. Si on inverse, on peut allumer du feu, on peut bouler l'appareil. Et puis, nous prenons l'autre positif qui est là. Nous menons l'aller. Même si nous avons filé croisé, on peut rencontrer. Filé gagné. Et. Protection, il y a un plastique qui couvre, donc c'est pour montrer dans le schéma. Ok, donc ça c'est premier bagage ou fait. Et puis le ça charge contrôleur à plumer, soit la bonne lumière à plumer ou bien écran à plumer pour le montrer que l'on se voit 24 volts batterie. Parce que, mais ça dit charge contrôleur ou dit moins gagné en batterie 24 volts que moi le besoin pour charger pour moi. C'est ça que fait c'est batterie au bali d'abord ou dit mais à qui soit pas l'en a fait, mais ça, mais soit pas le charger pour moi. C'était 36 volts, c'est de même, l'étape détecté 36 volts, l'étape dit, oh, monsieur besoin de me charger 36 volts pour lui. Donc c'est même bas là. Ou bas le voltage batterie d'abord, il dit, ah ok, il y a 24 volts batterie qui est entré, là il faut qu'on ait, on lumière plumée, on bien mentionné. Ce qui est important, il faut nous mettre fuse dans chaque, je dis ça tout à l'heure, il faut nous mettre un fuse dans la partie positive. Ok monsieur? Dans chaque câble positif, on a mettre un fuse qui est lié charge contrôleur avec batterie. Charge contrôleur avec panneau solaire et puis inverter avec batterie. Je vais montrer qui type fuse dans l'autre vidéo qui va venir, qui type fuse pour nous utiliser. Ok, ça va mettre fuse, même juste mettre F. Je vais montrer qui type, qui capacité fuse pour nous mettre. Ok, donc ça c'est base, la première base pour faire. Vous dites, même besoin 24 volts ça pour à charger pour moi puis devant. Et puis après ça, vous faites de même. Là, nous allons mettre, nous allons mettre soit en série ou bien en parallèle. En série, ou gagner plus intensité,
kap vin jwenn ni, men se menm bagay la. C'est à dire, même si ou voye plus voltage ba monsieur, tan pou ta voye 24 volt, ou voye 48 volt, ou bien ou voye 24 volt la, c'est même bagay la vini parce que voltage la son bagay ki relatif avec intensité. Vous comprenez? Si m'utilise 48 volts, m'voye bali, par le fait que panneau sa fourni 11 ampères, la recevoir 48 volts li a 11 ampères. Alors, si m'mette en parallèle, li pa jwenn 2 fois 11 ampères la. Ok, la jwenn 22 ampères. En tout cas, ça son l'autre parenthèse. Ok, ça m'a fait, m'a mette ça en série. Faut nous les spécifications, tout équipement à partir, très important. Par charge contrôleur à gagner à bord pour qu'à mettre jusqu'à la mettre jusqu'à input voltage gagner à peut-être 130 volts jusqu'à 130 volts au cabali pas au delà de ça parce qu'on a crasé le système. Vous comprenez? Il y a une fuse généralement protégée mais ça va empêcher que vous cassez le ou gâtez le. Ok, on va mettre en série que trop monde pas fait souvent mais qui est possible. Ok, je prends un panneau ça, je prends moins, mette négatif mélange à positif. Ok, et puis je viens gagner, je viens comporter un seul panneau au lieu de 24 volts, la 48 volts. Mais généralement, je dis non, même le panneau à 24 volts, il n'y a pas 24 volts seulement, il n'y a pas 36 ou 38 volts. Ok, mais c'est monsieur charge contrôleur qui pourra baisser la tension dans la batterie. Là, je viens comporter un seul panneau de 48 volts. Et puis, ouais, photovoltaïque, c'est là que fait pour panneau solaire. On prend un négatif ça, mettez là. Et puis, on prend un positif ça, mettez là. Mais songez d'en mettre un fuse. De ce fait, il y a un fuse qui fait pour ça. Je vais montrer dans notre vidéo qui vient. Il y a un fuse qui fait pour panneau solaire qui tout gagne un MC4 connecteur là-dedans. Qui facilite toute connexion bien solide. Ok? Et puis là, on a juste mettre même fuse, hein, même bien, ok? Faut nous toujours mettre fuse parce que fuse protège les dépenses. Non? Au lieu pour ces balles, là, que tu as un gros courant monté sous les pour sauter, c'est fuse qui a sauté et puis on a toujours gagné un appareil, et toutes les dépenses sont fin de faire, on va pas programmer ici. Et puis, quand il y a là, charge contrôleur a chargé, batterie non sans problème. Bah, non. Et puis, inverteur encore une fois, on a pris un inverteur directement. Cab inverteur généralement a plus gros que tout cab ça. Cap ça, il y a un cap 6, cap 8, tout dépend de l'intensité qu'on traverse là. Mais cap ça, c'est minimum 4 pour nous mettre sur le fol 1, vous comprenez? Ou bien 2 tout. Un cap 1, son, on cap par exemple 4, cargo sur ça. Cargo sur, ok, marqueur là. Mais on cap par exemple qui 2, à plus gros que lui, ok? Donc c'est la différence dans ça. Ouais, dans la partie ça, nous allons mettre fuse noir. Hop. Et puis, je vais vous dire quel type de fuse pour nous mettre tout, combien d'ampérage, c'est important. Je vais vous montrer notre schéma dans l'autre vidéo que fait à l'avenir. Et ça fait tout le monde suggérer non. Subscribe et puis like vidéo, partagez. Ok? Positif, nous allons lier avec positif. Très important, pas inverser parce que c'est important. Nous faisons comme ça dans le schéma, mais dans la pratique, les gens sont plus simples et belles. Je vais vous montrer nos aspects pratiques. Et puis négatif en lui-même, même genre, et puis la jeune batterie, la jeune inverteur, je dirais. Ok, inverteur. Et puis là, tout barre dans le marché. Donc ça, c'est base là pour nous faire connexion. Yo. Pas mettre panneau solaire chargé batterie directement pour compte. Ça, c'est non, non. Pas faire, pas faire, pas faire, pas faire. Panneau solaire qui a sauté ou bien batterie qui a gâté bien rapide. Pas faire. Ok. Donc, en gros, c'est ça. Et je dis tout le monde, nom c'est original. Merci pour être dans le support de Chanel là. Et que nous faisons commencer à une série de vidéos. Nous avons toujours continué à faire des vidéos, mais nous avons demandé nous abonnez-nous, like vidéo et puis touchez cette cloche là pour nous choisir tout pour chaque vidéo qui sortit pour nous rejoindre. Ok? Merci beaucoup. À la prochaine.